Bonjour à tous, tendance dans le vert ce matin à la Bourse de Paris. L'indice parisien reprend quelques couleurs, tandis que les discussions en matière de Brexit continuent finalement. Les négociateurs s'étaient donné comme deadline dimanche, mais ont finalement décidé donc de continuer à discuter. L'objectif est de tenter de trouver un accord avant le 31 décembre, les deux parties estimant qu'il est responsable à ce stade d'effectuer un effort supplémentaire. Pour rappel, Boris Johnson n'a pas hésité à menacer ce week-end d'envoyer des vaisseaux militaires pour protéger ses eaux territoriales des pêcheurs européens. Aux États-Unis, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech a été approuvé ce week-end par la FDA. Sa distribution devrait donc commencer aujourd'hui. Le gouvernement américain, qui doit livrer un peu plus de 6 millions de doses dans les jours qui suivent à près de 50 États, anticipe de distribuer près de 100 millions de doses d'ici fin février 2021. Et aux États-Unis, toujours, les discussions en matière de plan de relance devraient s'intensifier aujourd'hui. Le plan de relance de 908 milliards de dollars proposé par un groupe de parlementaires composé de démocrates et de républicains sera dévoilé au Congrès aujourd'hui. Afin d'augmenter ses chances d'être voté, il sera divisé en deux parties. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, on notera surtout que Solution 30 saisit l'AMF après la chute impressionnante de son cours de bourse la semaine dernière, entraînée par la publication d'un rapport mettant en cause les rapports de l'entreprise avec un expert comptable accusé de blanchiment d'argent, l'entreprise qui avait demandé vendredi à suspendre la cotation de ses actions. Rapidement, du côté des matières premières, le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 50 dollars, tandis que l'once d'or s'apprécie de son côté au-dessus des 1800 dollars. L'euro-dollar reste toujours de son côté au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.